Allez, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur American Truck Simulator, toujours avec notre Volvo VNL 670. Et aujourd'hui nous allons aller à Carson City, une ville que je n'ai encore jamais découverte. Voilà, donc ici Carson City au centre de la map. On part de Barstow, on passe par Las Vegas, en passant par Tonopah. Et on ira jusqu'à Carson City, tout du moins un petit peu plus au sud, dans l'entreprise Coastline Mining. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on transporte, je vais vous dire ça tout de suite, de la dynamite. Voilà. Donc, on va faire extrêmement attention à notre cargaison si on veut pas que tout n'explose. Que tout explose plutôt. D'ailleurs, vous remarquerez quand même que c'est super bien fait et qu'il y a le petit logo explosive. Voilà, sur la remorque. Et donc c'est bien bien cool. Du coup nous allons mettre les gyrophares. Voilà, gyrophares modés. Très très sympathique, il me semble que c'est livré en accessoire avec le camion. Et aujourd'hui je capture avec Shadowplay. Donc fluidité garantie. Hop, nous sommes partis. Alors on fait attention, c'est bon, il n'y a pas trop de monde. Hop. Alors on va faire quand même attention à la remorque derrière, j'ai un peu éraflé le palmier. Hop, c'est pas grave. Et là on va directement prendre la route 5. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hop. Parfait, ça va être juste à droite. Hop, la route 15, non? Je viens de voir 15, je sais plus. Je sais plus, on va bien voir. Hop, voilà, voilà. Petit transport de dynamite. Hop, petit screen. Alors, boum. On va s'insérer tranquillement. Hop. Mais écoutez, 55 km miles par heure. Écoutez, c'est très bien. Je vais mettre le petit régulateur. Hop, 55, très bien. On est parti. Les belles petites montgolfières au loin. Et la petite voiture volante que vous avez pu apercevoir juste devant. Petit bug. La sortie est fermée, très bien. Donc on peut continuer tout droit. Hop. Parfait. Alors, je suis en automatique. Voilà, tranquillement. On a toujours l'intérieur boisé, bien cool, du Volvo VNL, écoutez, bien stylé. Oh, j'avais jamais fait attention, on peut aller à l'arrière, on va pas y aller en conduisant, sinon on va se tuer. Et là, le but, c'est quand même de ne pas faire exploser notre cargaison. On va essayer, on va essayer. Hop, désolé, je vous laisse pas passer. Il y a un peu de monde sur la route, comme vous pouvez le voir, il est 13h37. Il y a un petit peu de monde, petit Kia Sportage. Hop. Alors, on va peut-être essayer de doubler la file de devant. Ford Taurus, là. Et là, on a la police. Du coup, grâce à l'Expedi, je connais un peu les modèles de véhicules. Allez, hop. On va tenter de doubler le bazar. Ça, c'est une avalanche, une Chevrolet Avalanche, juste devant. Ça, je connais via Arma 3. D'ailleurs, une série que je vous invite à aller regarder, Arma 3 Life. Voilà, c'est une série que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Donc je suis sur un serveur live, voilà, puisqu'on peut faire du live sur Arma 3. Donc en gros, du live, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le mode live? C'est tout simplement un mode qui vous permet de jouer un peu votre vie actuelle. Voilà, vous êtes un simple civil et donc vous allez récolter des ressources pour gagner de l'argent. Voilà, vous pouvez éventuellement, il y a différents types de ressources. Voilà, il y a les ressources légales, illégales, il y a aussi la police sur le serveur, il y a les pompiers. Bref, c'est super sympa comme truc. Et donc du coup, bah vu que je suis sur une map, voilà, je suis sur un serveur modé et la map s'appelle Kelly's Island et donc c'est une map qui se trouve aux États-Unis. Donc du coup, bah on a des véhicules américains, voilà, voilà. Du coup, bah écoutez, là je suis en plein dans l'américain pour pas mal de séries, pour LSPDFR, pour American Truck Simulator, bon, logique. Et sur Arma 3, donc il y a pas mal d'américains en ce moment. Je prévois d'ailleurs, et je pense que c'est ce que je vais faire, c'est qu'à la prochaine mise à jour de GTA, qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, devrait pas tarder, mais j'aimerais que ça tarde un peu plus justement, j'aimerais mettre des modes français, voilà, sur mon LSPDFR. Je pense que je vais faire ça, puisque généralement quand il y a une mise à jour de GTA, ça te vire tous tes modes, tout du moins, toutes les voitures que tu as installées et tout. Donc du coup, pourquoi pas, à chaque grosse mise à jour de GTA, pourquoi pas, tout simplement, en C80 ici. On va augmenter un peu, oula, je suis tombé de touche, excusez-moi. Hop. Donc voilà, pourquoi pas jongler entre des modes français
et des mods américains sur la SpeedFR. D'ailleurs, on m'a demandé aussi de prendre des véhicules français, mais pour l'instant, je reste sur de l'américain. Donc voilà, donc pourquoi pas jongler, ça pourrait être très très sympathique. On va se mettre à 80. On va bien voir si notre camion suit ou pas. Et donc voilà, ça fait du bien de jouer et d'avoir un jeu fluide en capturant avec Shadowplay. Vraiment, vraiment excellent Shadowplay. Hein. Du coup, je le réutilise maintenant. Le seul petit souci, c'est que j'ai un décalage son, comme d'habitude, au niveau de Premiere Pro. Alors, d'après ce que j'ai compris, Premiere Pro ne gère pas bien les points MP4. Voilà, au niveau du format de fichier. Je pense qu'on va perdre le Volvo si on continue à le pousser. Donc, on va le mettre à 70. Voilà, Premiere Pro ne gère pas bien les points MP4. Donc, ça crée un décalage son avec cette piste que je tente à chaque fois, tant bien que mal, de corriger au montage, mais je peux pas, voilà, je fais vraiment de mon mieux, mais c'est vraiment super chiant. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la communiquer. Voilà, je vous en serai très reconnaissant, parce que là c'est vraiment le seul truc qui freine un peu l'utilisation de Shadowplay. Voilà, parce que sinon, s'il n'y a pas de souci, je repasserai sur, enfin du coup je ferai que du Shadowplay, parce que The Division, je le capture avec Action, il passe plutôt pas mal, sauf dans la Dark Zone. Voilà, la dernière fois en off, après la dernière vidéo, pardon, épisode numéro 4 qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, je pense, voilà, et j'espère, parce que si ça veut dire que c'est déjà sorti, ça veut dire que cette vidéo j'ai pas réussi à la caser quand je voulais. Bref, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que du coup c'est le seul truc qui freine à l'utilisation de Shadowplay. Je viens de me prendre une amende, mais j'ai pas d'ATH qui m'indique, donc je sais pas pourquoi. Pourtant je suis à 65, je roule pas vite, enfin pas vite. Je roule à la bonne vitesse. Tiens, on va sortir ici. On doit être au niveau de Las Vegas là. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup voilà, c'est le seul petit souci qui freine à l'utilisation de Shadowplay, parce que voilà, je capture encore avec Action de Mirelis pour The Division, qui passe plutôt pas mal, sauf dans la Dark Zone, puisque la dernière fois j'y suis allé, et j'avais quelques freezes. Voilà. Hop, attention, on va freiner. Hop, on a dit qu'on n'allait pas faire exploser la cargaison aujourd'hui. Hop, les sons qui sont vachement sympas sur ce... sur ce camion, boum, petite photo. Alors lui, il se fout en plein milieu avec son Dodge, et il est là comme un con. Ah bah bravo, hein. Bravo. Pour le coup, par contre, il y a du people. De notre côté, on est à Las Vegas, les enfants. Et, enfin, les enfants. Hop. Allez, après le camion, il y a encore une autre voiture, bah dis donc. Moi, je vous dis, on n'est pas prêt de passer. Oh, sympa le petit... On dirait un camion déboueur, sympathique. Sympathique, ouais, c'est vraiment très spécial comme camion. Bon, du coup, l'autre idiot, là, il nous fait quoi, là? Il reste en plein milieu de la route et on attend. Allez, go. Moi, je passe. Je passe aussi, moi. Ah, et en plus, pour faire ça, il quitte l'autoroute, il y retourne. Ah bah bravo. Encore un touriste qui sait pas où il va. Hein. Moi, je vous le dis. Hop. Alors, c'est des places de parking, ça. J'ai bien l'impression. Bizarre. Hop. Eh, vas-y. Ah non. Je crois qu'il allait aller sur ma voie. Non, en fait, c'était pas des places de parking. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Oula, c'est 30 miles ici en ville. Je roule un peu vite, je vous l'avoue. Pas fait gaffe à ma vitesse. On va tourner à droite, on va accélérer un peu pour passer devant le Sportage. Hop, parfait. Hop, nickel, parfait. Alors, il nous reste 6 heures de trajet, ma foi, ça va se faire. Il me semble qu'on va prendre la nationale, ouais. Enfin, la nationale, on va prendre une moyenne route, une route de classe moyenne. On va tourner à gauche au bout, très bien. Ouais, il te limite encore à 30 ici, bah dis donc, on roule pas bien vite si on roule à 30. Hein. Là je suis à 50 et je vais pas non plus super vite. Hein. Petit truc de donut. Oh, stylé. Oh, il n'y a pas moyen de faire une belle photo ici. Sûr qu'il y a moyen. Je suis sûr. Avec le truc de donut derrière, boum. Mode photo. Parfait. Waouh, le jeu est tellement beau.
Oh si, oh c'est magnifique. Le camion avec les trucs de donuts derrière. Oh, avec le casino et tout. Sympa. Il y a un peu le buisson qui gâche tout, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer un peu. Peut-être que là, ce sera mieux. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Du coup, on va prendre la photo comme ça. Bon, on va plus le donut sinon. Ça peut être sympa. Hop. Ouais, bon. On va prendre comme ça. Hop. Boum, parfait. Parfait, parfait. On a fait notre petite séance photo, c'est très bien. Alors, au bout à gauche. En fait, ça a pas l'air d'être une nationale, je vous dis des bêtises. Ça a l'air d'être une autoroute aussi. Ouais, et eh ben on retourne sur l'autoroute 15. Ouais, non. C'est bizarre. Je sais pas trop comment ils ont fait leur portion par ici. Hop. On va bien faire gaffe, parfait. Collègue qui s'est déplacé, merci à lui. Boum. Parfait. Allez, go. Go, go, go. 80 par ici. Ok. On est sur la route 90, d'après ce que je voyais. D'après ce que je vois, d'après ce que je vois. Bah très bien, du coup on va se mettre à 80. Enfin 70 parce que sinon on va perdre le camion. Hop, il me semble que j'ai 18 vitesses sur celui-là. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai 18 vitesses. 65, bah dis donc, faut qu'il sache quoi. Faut qu'il sache ce qu'ils veulent quoi. Hop. Parfait. Il fait vraiment un boucan d'enfer le camion. J'espère qu'au niveau des réglages ce sera sympa. Ce sera sympa, ce sera sympa. Parce que là, ouais non, on est beaucoup plus fluide qu'avec Action, hein. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop. Alors, hop. Alors en plus, l'autre jour j'étais bluffé. Parce que Action Mirilis, parce que l'autre jour, voilà. Enfin l'autre jour. Attendez, est-ce que je vous le dis ou est-ce que je vous le dis pas? Ouais bon, je vous spoil un peu le truc. Ce qui se passe, c'est que va bientôt y avoir une nouvelle vidéo sur Rocket League. Voilà, parce que le jeu était gratos le week-end dernier. Donc du coup, je l'ai téléchargé. Et donc, je vais lancer bientôt, enfin bientôt même, à partir du moment où vous verrez la vidéo sur Rocket League, un concept, enfin un concept, pas vraiment un concept, mais une nouvelle playlist qui va s'appeler la boîte à jeux. Et donc en gros, voilà, je vais faire une vidéo sur des jeux que je découvre. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, ce sera de la découverte et du fun. En gros, voilà pour la petite histoire de la boîte à jeux. Donc en gros, c'est plein de jeux mis dans une seule playlist. Voilà. Pour la petite histoire, donc du coup, oui, j'avais capturé du Rocket League avec Action, qui passe d'ailleurs plutôt bien. Sauf que Action me fait des fichiers de 80 gigas. Voilà, 80 gigas, honnêtement, je ne déconne pas. Je sais pas pourquoi il me fait des fichiers de 80 gigas, mais c'est énorme. Alors, voilà, c'était très très étrange. J'ai fait 15 minutes de vidéo, mon disque dur était plein. J'ai pas tout compris, mais voilà. Voilà, quoi. Bref, voilà pour la petite histoire. Alors, quand est-ce qu'on est arrivé, nous? Nous, dans 4 heures, très bien. Alors, ah oui, le seul petit souci, enfin, souci, c'est pas vraiment souci, mais le seul petit truc aussi avec Shadowplay. C'est que je n'ai pas d'affichage au niveau du temps de la vidéo. Donc du coup, voilà, faut bien que je regarde ma montre à chaque fois que je commence une vidéo pour savoir à peu près on a combien de minutes parce que j'ai aucun affichage là-dessus. Voilà, oula. J'ai pas vu que ça se rétrécissait. J'ai aucun affichage là-dessus, donc du coup, voilà, faut juste que je fasse gaffe. Et là, vu que j'ai pas fait gaffe, eh ben, vous aurez peut-être une vidéo de d'un peu plus d'une demi-heure. J'espère pas. J'espère pas, mais bon. On sait jamais. Hop. Bon, 3h40. De toute façon, on finira tranquillement cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Hop. Bah, il se traîne un peu le collègue devant. Mais. Il se traîne un peu. Hop. Allez. Alors. Ça n'avance pas. Ouais. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Alors là, c'est vraiment des routes que j'ai jamais emprunté par ici. Hein.
Je ne suis jamais allé ici. Oula, oula. Non, non. Freine, freine, freine. Waouh. Mais j'ai appuyé sur le frein, mais comme un... comme un taré, quoi. Le clignotant est tout petit. Je l'ai pas vu. Honnêtement, j'ai cru qu'on allait taper. Mais non. Voilà. Je suis un chauffeur. Je suis un chauffeur, les gars. Chauffeur de l'extrême. Hop. Allez. Avance. Hop. On a combien? On a 16 tonnes, il me semble. Ouais, 16 tonnes. Alors, on doit arriver entre 7h et 14h. L'arrivée est prévue pour 22h. Donc, on aura une nuit d'avance. En gros. On aura à peu près une nuit d'avance. Il y a un collègue en face. Bah, dis donc, il y a bien moins de monde ici. Hein. On a un peu de monde derrière nous. Mais il y a quand même moins de monde ici. Hop. Alors, je vais vous parler rapidement d'un autre truc que j'avais dit maintenant à peu près un mois depuis le live 1000 abonnés. C'est que j'essaierai de faire des lives plus régulièrement. Et donc c'est ce que je compte faire. Du coup je compte faire des lives plus régulièrement. Voilà. Pourquoi pas tenir la chose que j'avais dit au début, c'est-à-dire un live tous les 100 abonnés. Voilà, ce qui fait à peu près un live par mois et demi, je sais pas trop, je regarde pas trop les stats. De toute façon je m'en fous pas des stats bien sûr. Parce que je vois l'évolution de la chaîne, tout, c'est important de regarder les stats bien sûr. Mais c'est pas ce qui m'importe puisque de toute façon la chaîne n'est pas monétisée. Tout du moins elle ne l'est pas encore. Voilà, puisque aux 2000 abonnés, il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne. Voilà, mais bon, on est encore un peu loin. Ouf, j'ai cru que la flic allait passer. On est encore un peu loin, donc vous inquiétez pas. Voilà, je vous réserve un peu la petite surprise aux 2000 abonnés. Et donc du coup, waouh, il a tourné sec lui. Du coup, je vous disais que au niveau des lives, donc des streams, pourquoi pas s'en tenir au un stream tous les 100 abonnés. Ce serait sympathique, ça ferait un live par mois, voilà. Mais par contre, ce serait des streams, puisque ce ne sont pas... j'arrive pas à parler. Puisque ce ne seront pas des streams événementiels. Voilà, puisque j'avais l'habitude de faire... D'accord. Excusez-moi, je n'avais pas fait gaffe. Hein, voilà. Excusez-moi, madame. D'accord. Ok. Donc, du coup, oui, voilà. Ce serait sympathique, justement, que je m'en tienne. Et puis, parce que moi, honnêtement, je trouve que c'est super sympa, les streams. Donc, du coup, voilà. Pourquoi pas faire ça? Ce serait bien sympa. Et donc, du coup... ce serait pas des streams, donc ce ne serait pas des streams événementiels, donc du coup ils seront plus courts, c'est à dire une durée de 1h, 1h30 max, mais je fais que un jeu. Voilà, parce que j'avais l'habitude de faire des streams de 3h, 2h30, 3h30, voire même 4h, hein. Mais où je faisais plein de jeux, et bah là du coup ce sera des streams plus réguliers, mais je ne fais qu'un seul jeu et ils sont plus courts. Voilà, voilà. Donc c'est ce que j'aimerais me diriger à peu près là-dessus. Voilà, au niveau des streams, parce que je trouve ça super cool. J'adore mettre en place les trucs sur Twitch avec OBS, la Twitch Alert et tout. J'adore faire ça. Donc du coup, voilà, pourquoi pas essayer de passer là-dessus. Mais bon, après, voilà, voilà, quoi. Après, on va bien voir. J'attends un petit peu encore d'être au point au niveau de Shadowplay. Voilà. Et puis on verra si on peut se lancer là-dessus. Et puis il faut que j'ai le temps aussi. Voilà. Puisque, écoutez, il y a le brevet des collèges. Donc, je pense que cette petite histoire de stream régulier pourra commencer à partir de l'été qui arrive. Voilà. Je veux pas trop non plus m'engager dans quelque chose. Mais je pense que approximativement, ça pourrait se faire dans ce créneau-là. Voilà, voilà. Pour la petite nouvelle. Hop. Alors c'est quand qu'on est arrivé nous? 1h42, notre pause est dans 1h19, falloir se grouiller hein. Falloir se grouiller. Parce qu'on va quand même pas faire une pause pour rien. Et du coup vu qu'on doit se grouiller, on va accélérer la cadence. Et bon, pour l'instant là je touche pas à mes pédales, je suis avec le régulateur. L'engin est à fond de balle. Safe personnel storage. Ok, super. Pas grand monde hein. Pas grand monde sur cette route. Oh, mais j'ai l'impression qu'on va perdre le Volvo à chaque fois. Là il est à fond et on limite, voilà, on perd des kilomètres heure. Je pense que nous allons perdre le Volvo malheureusement.
malheureusement. Pourtant 670 chevaux, ça pousse quand même. Mais là, là, ah ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Bah écoutez, on va même se faire une pointe, je reprends le contrôle. Non. Quoi qu'en fait, on arrive en ville. J'accélère un peu pour la montée. Hop. Allez, waouh, les gyros, ça donne vraiment un effet. Tiens, on va mettre nos feux d'ailleurs, ça sympa. Pff, petite descente. Pff, oula, oula. Freine un peu. Vous êtes fatigué, je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Oh, les gyros sont... Waouh. Les gyros sont vraiment trop classe. Hein. C'est vraiment magnifique. Hop, allez, go. Ah bah, on est arrivé là, non? 24 minutes, bah déjà. Ah mais là je peux vous dire qu'on a speedé mais un truc de ouf là. On a speedé mais c'est limite plus que du speed là. Petite vue bien sympa. Mais ce derrière il me colle au cul. Ouais. Allez go. Go go go, on va faire notre créneau puis on livre. Voilà voilà, donc pour cette petite vidéo à mon avis 35 minutes. Moi je mise sur du 35 minutes. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Hop. Voilà. Le dépôt est juste ici. On va livrer notre petite dynamite. Voilà, alors pourquoi de la dynamite? C'est pour faire des trous dans la roche, pour avoir du minerai, bien sûr. Hop. Honnêtement, c'est super sympa parce que sur ETS2, entre les différents modes, il n'y avait pas forcément de... Oula. Il n'y avait pas forcément de logique, c'est-à-dire on pouvait livrer des œufs dans une citerne. Voilà, là c'est bien cool, je livre de la dynamite, il y a les autocollants explosifs sur la remorque. On livre dans une entreprise adaptée et tout, c'est sympathique. Par contre, pour que tout aille bien, faudrait que je conduise plutôt bien. Mais c'est un peu complexe là. Putain, ils ont fait leur truc plutôt... plutôt serré je trouve, tant pis, on va hop, voilà, on se met un peu dans le ravin. D'ailleurs, en parlant de ravin et tout, il y a le DLC Arizona qui est presque en phase de test. Voilà, il y aura une bêta apparemment d'après ce que j'ai lu de chez SS Software. Donc du coup voilà, DLC Arizona, DLC gratuit, donc on verra bien ce que ça donne. Hop, boum. Parfait, bonjour. Boum, là. Bon, du coup, voilà. Le temps de garer la remorque, moi, je dis 40 minutes. 40 minutes me semble honnête. Par contre, s'il te plaît, où est-ce que je gare ma remorque? D'accord, c'est là, mais dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'on peut pas faire le tour? Alors, je connais pas du tout les dépôts. Hein. Écoutez, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, d'ailleurs, en plus, sur American Truck. Hein. Je dois avoir une vingtaine d'heures, c'est tout. J'ai pas beaucoup joué au jeu. Ah oui, en plus, il y a marqué This Way. Pas fait gaffe, désolé. Hop. Alors là en haut ou en bas, moi je dis en bas et en haut. Hop, donc là en bas et là on prend en haut. Hop, oh, c'est vraiment stylé les. Ah oh, ouais, c'était là, bien joué. Oula, oula. Volvo a pris un peu cher. Hop. Alors va falloir redresser après. Hop. Boum. PRF. On va même essayer de se garer comme ça. Soyons fous. Attention rétro. Oh là là. C'est tellement parfait. Hop. Alors, t'es content comme ça ou tu veux que je me recule un peu plus? Hop. Parfait. Parfait, parfait, bon travail. Ouais, on a eu un peu de dégâts sur la fin, la remorque a un peu frotté. Mais on n'a pas fait péter la dynamite, c'est l'essentiel. Boum. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo sur American Truck Simulator vous aura plu. Écoutez, je suis bien éclaté comme d'hab, on a bien roulé, c'était cool. Et bah écoutez, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez contempler le magnifique Volvo, lien dans la description. Allez, salut tout le monde. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get play.